Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War. Et nous étions. Pourquoi pas? À la sortie du royaume. Attends, il est sérieux, Atreus? Atreus, il va me clasher là, hein. Ça sent pas bon, ça. Et une vasque de sable. Et comment je suis censé l'attendre? Alors attends, bouge pas, Pépito. Atreus, il commence à faire le malin un peu, tu vois ce que je veux dire? Ok, on a quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Graine. Mémorise la forme. Oui, c'est bon. Ok, tu mémorises, Atreus. Eh, hey, tu vas arrêter de me répondre, hein. Je vais te brûler, mon pote, hein. J'en ai rien à foutre, moi, putain. C'est la merde. Ok, il va falloir aller en hauteur. Donc, préparez de quoi. De quoi boire, de quoi manger, de quoi vous hydrater, hein. Et tutti quanti, de quoi vous régaler tout simplement. Parce que nous sommes partis, encore une fois, pour une bonne demi-heure tous ensemble. Et c'est pas le bon move là, apparemment. C'est pas du tout le bon move. Qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. On a de la matière organique, mais rien de fou. Alors qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Ah, il faut reprendre hein, maintenant. Je sais plus. Je sais plus à quel niveau je. Oh! Il est où le coffre? Il est où? Où est le coffre? Il est là, attendez. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Mais il y a une pyramétricide ou Jésus? Mais alors, MrBboy? Ah bah, je suis déjà perdu, c'est dingue. Allez, on la met ici, bien sûr. On est parti. Atreus. Bien joué, mon fils. On y va. Oh là là, j'étais diverti. J'étais diverti. Vous allez bien, les amis? Moi, ça va très très bien. Quel plaisir de retourner sur ce jeu. Clairement, je suis amoureux toujours. Après 9 épisodes, c'est toujours aussi incroyable. On a quelque chose par ici. Je ramasse. Il est où le coffre, là? Quelle est cette sombrerie? Ok. Ça, c'est beau jeu. Alors, je me pose une sacrée question. Si je puis me permettre. C'est qu'il y a un coffre ici. Ah, il est là, le coffre. Ok. Donc, un. Au lieu de piller un temple sacré, on pourrait peut-être trouver un moyen de sortir. Quand j'aurai besoin de ton avis, mon garçon, je te le demanderai. Deux. Donc, un. Deux. Il est vénère. Hein. Ah bah, il est vénère. Il a raison. Ok, deux. Il faut trouver la dernière. Qui est forcément pas loin. Et je dirais même dedans. Je dirais même dedans. Bougez pas. Je le sens gros comme une maison, si je peux me permettre l'expression. Je dirais que dedans. Non. Non, 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 non. Ok. On va refaire le point. Donc, un ici. D'accord? Deux. Deux ici. Le troisième est forcément quelque part par là. Mais où peut-il bien être? Je l'ai. Un. Ah. Deux. J'ai par ici, d'où Jésus. C'est très dur, c'est très dur. Ok. Respirons, respirons. On va faire celui-ci, d'accord? Oh, je me suis perdu. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok, faut être encore plus rapide. C'est terrible, hein. C'est terrible. Allez. On gagne la moindre seconde. Oh, j'ai perdu une seconde. Oh, c'est terrible. C'est terrible. On va attendre que ça réapparaisse. C'est parti. Ouais, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai l'idée, d'accord. Ok, bougez pas. Oh, c'est de plus en plus compliqué, cette connerie. Non, non, non. C'est bon? Yes! Ah, c'est de plus en plus compliqué. C'est chaud quand même, hein.
C'est chaud, il faut juste trouver le bon placement. C'est parti, régale-moi. Ça, c'est pour la rage. Ça, c'est pour la rage. C'est le troisième, ça. Et c'est le troisième. Ça, c'est fait. Jauge de rage augmentée. Et ça, c'est plutôt cool. Regardez cette... Oh, la vache, c'est bien augmenté en plus. C'est pas n'importe quoi, clairement. C'est une belle jauge de rage qu'on a là. Bon, on a perdu pas mal de temps, entre guillemets, avec ces conneries. Mais c'était quand même assez important, on va pas se mentir. On apporte la pierre là-haut et je pense qu'on va quitter le royaume étant donné que ça y est, nous avons cette lumière. C'est parti, Atreus. Tu dois pouvoir atteindre la vasque. Oui. Attends. Je dois lui faire la courte échelle ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Attends, on va le refaire, on va le refaire. Il y a peut-être eu anguille sous roche, si je peux me permettre l'expression. Ah, mais si, je sais. Je sais. Ok, c'est par ici tout simplement. Voilà. Allez, fallait suivre les symboles. Ah oui, mais B-Boy, t'es égaré. On te reconnaît plus, Bibs. On te reconnaît plus, Bibs, dans ce 10e épisode. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je sais pas. Je sais pas du tout ce qui se passe, c'est terrible. Allez. Vas-y. Du plus grand homme au plus grand arbre, tout commence comme moi. Oui, ces graines, ces innocents sont stupides. Il est bon, hein. Ah, c'est mon fils, hein, je suis assez fier, hein. Ouais. Maintenant, on va pouvoir l'ouvrir. Ah, ils sont toujours sous. Oh, touchez Jésus! Mais les elfes blancs, ils sont totalement fous. Revoilà l'elfe avec les cornes. Qu'est-ce qu'il nous veut cette fois? Ok. Il doit être fâché parce que j'ai redonné la lumière au royaume. Hein. Je pense clairement qu'il doit être fâché. Retour au Berfail. Il va revenir. Oh, il va revenir. Hein. Là, c'est un combat. Je pense que ça va être le boss. Je ne sais pas. Non, le bateau n'est pas là. Il est toujours de l'autre côté du lac. Alors, on doit rebrousser chemin et prendre l'élévateur. On doit vraiment redescendre là-dedans. Tu vois un autre chemin? Non. Alors? Utiliser l'élévateur. Ah, pour prendre ce chemin. On m'a fait une sombrerie, là, non? Attendez, quelle est cette... Attends, peut-être qu'en élévateur, il parle d'autre chose, je ne sais pas, mais... Il y a eu un petit bug, là, non? Attends, là, on a quelque chose. Non, mais c'est bien par là. Bah alors? Ah! Bah oui! Eh! Qui dit ascenseur dit bouton, mais je suis totalement perché, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Ce 10e épisode me perche! Bah, t'es où? Atreus! Maximus Decimus, né d'un père gladiateur et demi-dieu, et d'une mère totalement assassinée! Ok, on va repasser par en bas. Et évidemment, ça s'est ouvert. Heureusement, heureusement que Kratos sort toujours avec sa petite lampe torche. Ça fait plaisir d'ailleurs, d'où vient la. Ah, bah c'est la lumière que j'ai. Oh, c'est beau. Hein. Oh, ils ont vraiment pensé à toi. Après, ça aurait été vraiment gros, mais quand même. Hein. Il fallait. Hop, ça m'a saoulé. Atreus, c'est ton crâne. Hein. Si jamais tu me désobéis, 700 balles, je prends. Il n'y a aucun moyen de remonter ici, tu sais. Je sais. D'accord. Attends. Quelle est cette sombre? Mais c'est déjà allumé. C'est totalement ridicule ce que je fais. Qu'est-ce que c'est? Non, mais le chemin est forcément... Bah oui. Bah alors, Mister Biboyus, qu'est-ce que tu nous fais? Ah. Ah, il pleut dehors. Il faut pas fermer la porte. Je vois presque rien. Il y a de la lumière. Débrouille-toi. Ah. Allez. Ok. Ah. Ok. Ok, c'est pas mal. Attends, vous êtes deux ou c'est une joke?
Aïe, ils sont deux. Oh, c'est bon ça, bien joué de la part du joueur. Franco, check. Allez, ça c'est beau ça. Ok, c'est pas mal. Allez, ça dégage. D'accord, ok, deux ça va, je peux les gérer. Fie-toi à ton ouïe, adapte-toi. Ok, pas évident, hein, pas évident. Mets la lumière un peu partout, fils. J'aimerais juste voir un petit peu en arrière si j'ai rien oublié. C'est clairement pas évident ce qui s'est passé là. On va en trouver un. Donc je dois trouver un cristal et le ramener ici, hein, vous l'aurez compris. On est déjà passé par ici si jamais. C'était juste en dessous la grande trappe là qui s'est ouverte. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, et peut-être là. Et ben. Ok, c'est pas mal. Ça, c'est un coup. Hop, on traîne par terre. On lui éclate le crâne. Une bonne soirée. Allez, ça dégage. Bon, c'est bon. On a réussi à trouver notre cristal. Forcément, les cellules se sont ouvertes. On l'avait prédit aussi. Qu'est-ce que c'est? Un butin de gain, encore une fois. Et c'est le troisième. C'est pas mal. Bon, je sais qu'on a forcément oublié certaines choses hein, dans ce royaume. Vous l'aurez compris. Mais je suis quand même satisfait. On a fait un plutôt bon parcours, on va pas se mentir. Et j'ai utilisé qu'une seule pierre de résurrection. S'il le faut. Bon, Atreus, Atreus. Écoute, prends exemple sur moi. Mais s'il te plaît, Atreus, ferme ta gueule, d'accord? Au nom de toute la communauté YouTube, ferme-la, Atreus. C'est pas vrai, hein? Quoi? Hein? Ok. Oh. J'ai essayé quelque chose. Oh! Attends, ça l'achève direct? Hop, ça dégage. Allez, salut! C'est bon, ça dégage très rapidement. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aurais pu le jeter sur d'autres mecs, mais franchement, les mecs, est-ce qu'on va descendre aussi? Il y avait personne d'autre alors. On est parti, on va poser ça ici. Atreus, tire! Je sais ce que j'ai à faire. Ok, ça c'est bon. Atreus, tu commences un petit peu à... Hein, j'ai traversé la lumière pour toi. Pour pas que tu prennes ce que tu mérites. Attention quand même. Faut pas en abuser. On peut utiliser la vasque grâce à laquelle on est descendu la première fois. Je supporte plus cet endroit. C'est pas mal. Par contre, est-ce que c'est bien là qu'il faut passer? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la question que tout le monde se pose à l'heure actuelle. C'est B-Boy, est-ce que le choix est bon? Parce que là, je n'ai pas l'impression. On va ramasser ça, qu'est-ce que c'est? Butin de guerre, 4 sur 6. Oh là 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 là. Ok, donc dans ce royaume, c'est des butins de guerre. Ok, là, il n'y a rien. Très bien. Et là, on a quoi? On a un petit peu de chaleur, ça fait plaisir. Toujours un petit peu de chaleur au fond de nos cœurs. Ok, là... Ok, Houston, on a un problème. Cette direction, c'était juste pour un artefact. Très bien. Ah! C'était juste à côté, on peut me le pardonner. Ok, ça c'est pas mal. Ouais, bah écoutez, je pense qu'en fait, c'était juste pour récupérer un artefact. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Ah non, j'ai cru que j'avais déconné. C'était compliqué, hein. Ok, c'est bien par ici. Je sais qu'il y avait des ascenseurs. J'en ai ce souvenir. Ça, je prends, c'est un petit peu de vie. Ok, ici, on n'a rien. Ici, on a encore un artefact. Ah non, pas du tout. Je pensais à un butin de guerre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien, on ne peut rien faire. Et ici, c'est notre quête. Ah! Oh, putain! Oh, putain, il a fait tellement peur!
Il est où? Il est où? Ok, c'est pas mal. Allez, bam! Allez. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Atreus, je ne vois plus rien. Mais Atreus, je suis toujours aveugle. Oh, doux Jésus. Il va me mettre plus l'aveugle à chaque fois. Ah, c'est bon. Ok, c'est pas mal. Atreus! Ok, la moitié de sa vie, c'est fait. Ok, va falloir travailler l'esquive, très clairement. Trois. Et bam! Allez. C'est bon. Je lui jette des petites flèches de temps en temps. Oh non, 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 il m'a aveuglé. Ok, c'est pas mal. Bon, tant qu'on ne sait pas où il est, on va rester comme ça. Je pense qu'il est toujours devant. Atreus, tire pour voir. Ok, c'est bon, je sais où il est. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est pas vrai. Oh, cette technique. Oh non, bon, ça le bois faible. Ok. Ok, c'est bon. Arrête! C'est horrible, ça! Il arrive à me mettre un plus 100% en cécité! Je ne comprends plus rien! Oh, c'est bon, j'ai réussi à esquiver. Ah! La dernière! Bien joué! Aïe! Quoi? Tout est... C'est bon. C'est bon, mon pote. Bam! Allez, ça, c'est terminé pour toi, mon pote. Reviens là. Hop, hop. Oh, c'est de l'acharnement, là. Non. C'est impossible. Qu'a-t-il dit? On avait commis une grave erreur. Ok, on verra ça. Invocation unique. Invoque un loup spectral qui se jette sur l'ennemi à 3 reprises. What? Invocation. D'accord, c'est carrément de son arc. Vous avez obtenu une invocation runique. Très bien. Ah bah, je veux mon neveu. Et comment ça marche? C'est énorme, son truc. La colère du loup. Maintenir carré. Ok. Ah, ça, je l'équipe, hein. Pack un peu mon neveu. Et là, on aura un nouveau truc. Laisse-moi deviner. Tu vas me prendre de haut et dire que tu m'avais prévenu qu'il fallait pas s'en mêler. Ça suffit. On peut y aller maintenant. Tu te souviens de la réponse? Oui, oui. D'accord. Voilà une bonne chose de faite. Apparemment, on aurait fait une grave erreur à aller Atreus, chercher cette lumière. Et ça, Atreus, qu'est-ce que ça veut dire? Les seules fois où tu me parles, c'est quand t'as besoin de quelque chose. Tu as quelque chose à me dire? J'ai dit que les seules fois où tu me parlais, c'était pour me demander de traduire quelque chose. Si maman est encore si là... Si ta mère était encore en vie, nous ne serions pas là. Ça, c'est fait. C'est froid, mais c'est fait. Atreus. Oublie ça. Très bien. Ok. Il m'a dit d'oublier, j'ai oublié, les gars. Je ne sais plus de quoi il veut parler. Bon, ça, c'est fait. On va pouvoir enfin vraiment retourner au bercail. Et pourquoi pas aller à cette montagne? Je suppose qu'il y a des choses à fouiller un petit peu là-haut. On va pas se mentir. Alors mais... J'y retournerai peut-être à part, hein, évidemment. Dans la lumière. Qui? Tu sais bien. Non, elle n'était pas là. Kratos, tu mens? Tu t'en fiches complètement de toute façon. Fais attention à ce que tu dis. Si on veut terminer ce voyage, l'un de nous doit rester concentré. Ne prends pas mon silence pour de l'indifférence. Fais ton deuil à ta façon. Et laisse-moi faire le mien. Je suis désolé. J'avais pas réalisé. Non. Comment l'aurais-tu pu?
connais pas. Je sais que ça n'a pas été facile. Dans la lumière, c'est comme s'il ne s'était écoulé que quelques instants, si ça peut te rassurer. C'est bon à savoir, vraiment. Alors, est-ce qu'on retourne à Midgard pour affronter le souffle noir, ou tu penses qu'il y a encore des choses à voir dans ce royaume ? Ah, s'il dit ça, c'est qu'il y a forcément des petits trucs parsemés à gauche à droite. Par contre, cette cinématique, pour être très honnête avec vous, je l'ai grave kiffé, ça m'a touché, voilà, c'était très... C'est très mignon, c'est très beau, et à la fois triste. Mère était une guerrière. Elle faisait la guerre aussi. En quelque sorte, sa famille a été décimée par une famille rivale, et elle seule a survécu. Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer à vivre. D'affronter seule un monde sans pitié. C'est pour ça qu'elle a demandé à Sindri et Brock de lui faire la hache. Elle avait la force de manier une telle arme, et la sagesse d'en faire bon usage. Elle se faisait fort de protéger les faibles. Donc... Alors, voilà. Vous avez été occupé, à ce que je vois. On ne peut rien cacher. Mon sens de l'observation est légendaire. Ah. Ah, attendez, hein. Je fais un petit demi-tour, les gars. Ouais, comme je disais, voilà, la cinématique, c'est vrai qu'elle était... Elle était très, très touchante. Elle était belle, mais à la fois triste. Parce que, bah, c'est l'histoire d'un fils et son père qui, finalement, bah, se connaissent pas. Ils se connaissent pas parce que Kratos avait d'autres choses à faire, entre guillemets. Vous avez l'air de vous préparer à un long voyage, tous les deux. Il y a un temple abandonné à Midgard qui servait de réserve personnelle à un autre nain. Il y a entassé toutes sortes de trésors qu'il a amassés pendant ses voyages dans les différents royaumes. Dans les différents royaumes ? Lesquels a-t-il visité ? Et qu'est-ce qu'il en a rapporté ? Fafnir était, comment dire, obsédé par sa collection d'objets magiques. Plus il en avait, plus il en voulait. Aucun royaume n'était trop dangereux et aucune relique hors d'atteinte pour lui. Une fois, il a même traversé tout Niflheim pour une pierre à aiguiser. Ça devait être une pierre à aiguiser très spéciale. Où est-ce que tu veux en venir ? J'y arrive. J'ai justement une pierre de passage pour la réserve de Fafnir. Ça pourrait vous servir. Génial. Merci, Sindri. De rien. Oh, et si vous trouvez cette pierre à aiguiser, j'aimerais beaucoup que vous me la rapportiez. Ah, allez à la réserve. Ok, on peut maintenir le service. Je vous conseille d'être prudent si vous visitez cette réserve. J'y suis allé il y a plus de 100 ans et toutes sortes de créatures indésirables s'y étaient installées. Ton ami sera pas fâché si on lui vole son trésor. Oh, non, non, pas du tout. Il est mort, je crois. Oh. Ah, désolé. C'est donc une quête secondaire. Non, ne t'excuse pas. C'est ce qui arrive quand on va de royaume en royaume pour collecter des objets précieux qui ne vous appartiennent pas. Attends, quoi ? J'ai perdu des objets ? Pardon ? Comment ça, j'ai perdu des objets sur le champ de bataille, les gars ? Vous êtes fous, quoi, là ? Il s'est passé quoi ? Je me suis absenté 2 minutes, c'est terrible ! Plus 28 en défense pour moins 3. Oh mon dieu, ça coûte très cher les épaulières, mais attention bordel. Clairement, c'est le petit feu. Ouais, non mais c'est insane, je peux en acheter aucun par contre. Hein. Clairement, je peux en acheter aucun. Grave erreur pour l'instant, je ne peux rien faire. Par contre, on a une quête secondaire qui s'est affichée. Et ça, c'est très très beau. On va essayer d'y aller. Pour cela, il suffit de suivre... Le radar qui nous emmène. Qui nous emmène bien loin. Qui nous emmène bien loin. Plutôt, hop. Je peux reprendre le bateau, s'il vous plaît. Plutôt sur la droite. Allez, on y va. On va essayer de voir un petit peu. Évidemment, hein, si on passe devant une quête secondaire, on la fait immédiatement. C'est pas par là, en fait, si. Attendez, la boussole a pété les ponts, a quitté l'école. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie ? Père, tu as déjà rencontré quelqu'un qui entendait des voix ? J'ai connu des marins désespérés qui, à court de vivre, étanchèrent leur soif avec de l'eau de mer. Ils juraient que les sirènes, des bêtes maléfiques qui les appelaient de leur chant sur les îles voisines, étaient leurs femmes et leurs filles, les priant de rentrer. Ils mirent l'équipage en danger en faisant cap sur des récifs. Assez. Les histoires sont pour le bateau. Nous devons marcher. Ouais, alors attends. Parce que là, je n'arrive pas à retrouver le chemin du retour. Attention à vous dans cette réserve. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il se passe quelque chose d'obscur, là. Ah, putain, c'est par ici. Oh là là. Ok, allez, on y va. On a quoi, là ? On a... Oh.
On a toujours une tête de mort. Ah d'accord. Ok, aucun souci. J'étais juste passé à côté. Qu'est-ce que ça peut être? Un autre morceau de code. Je vais essayer de les assembler. Ah, 2 sur 4, ça c'est pas mal. Fragment de code du royaume. J'ai un aveu à te faire. Ah. Toutes ces voix dans ma tête, c'est pas la première fois que je les entends. Quand on a rencontré Brock, sa bête m'a prévenu que quelque chose se cachait dans les arbres. C'est pour ça qu'elle voulait pas traverser. Elle t'a parlé? Eh ben, je ressentais tout ce qu'elle ressentait, et je savais ce qui lui faisait peur. Si ça recommence, dis-le moi tout de suite, d'accord? Je te le promets. Ok. Ce qui est bien, c'est que Kratos, t'es avec lui, t'as l'impression qu'il peut rien t'arriver, tu vois ce que je veux dire? Avouez que vous êtes là, vous êtes teint. Kratos, c'est quand même le père. Bon, c'est triste, parce qu'il a pas de relation avec son fils. Mais t'es là en mode, franchement, Psartek le daron, tu vois. Non, hein, il met un doigt sur ta joue, c'est une gifle. C'est une gifle que t'as reçue. Attendez, c'est pas où? Parce qu'on rigole, on voit pas le fond du bol, c'est pas ici. Allez, on retourne à la maison. On reviendra, je reviendrai dans le royaume peut-être en off. Si vraiment il y avait des choses méga cool dedans. On est parti. Toujours pas le nain. Toujours pas intéressant de prendre cette porte pour l'instant, je pense. On va enfin dire à la sorcière que nous avons... Et maintenant ? Nous avons la lumière. Retournons à Midgard. Que nous avons la lumière. Par contre, comment faut-il faire ? Parce que ça, je sais que j'ai pas eu le temps encore de m'y faire, hein. Ah d'accord, non c'est au centre, ok d'accord, donc ouais voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça a beau faire le tour, ça ne sert à rien, c'est triant tout simplement. On retourne à Midgard. Que tous les royaumes existent dans le même espace, l'un au-dessus de l'autre. En fait, ça nous permet de voyager sans nous déplacer. Ok. Toujours aussi impressionnant. Ok, on a quelque chose à 600 mètres et on a quelque chose à 200 mètres. Très bien. Dans quel royaume ça peut être alors? Très intéressant. Là. Ok, il y a une autre couleur. Bon! On essaiera de comprendre un petit peu plus tard, c'est ça? Non, je suis pas petit, ça. On a visité un autre royaume, et on a rencontré ton frère. Enfin, pas dans cet ordre. As-tu laissé ce fichu bon à rien toucher à la lame? Tu es au courant qu'il a perdu son talent, pas vrai? Il s'est réveillé un jour et il était parti. Il a essayé de m'entraîner dans sa chute. Est-ce qu'il a esquinté ce petit bijou? Bien au contraire. Ouais, même un cochon aveugle arrive à dégoter une truffe une fois l'an. Mais tu sais ce qui compte vraiment? La régularité. Et moi, c'est une chose que je peux garantir dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu as fait? Une retouche. Marque des nains. Bien, vous aurez fini de bailler aux corneilles, j'aurai un service à vous demander. Ah! Que veux-tu, nain? Quête secondaire encore? Un alchimiste, un certain Andvari. Il travaille dans les mines de Volund. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Peut-être une centaine d'hivers. Il est sûrement mort, mais vous pourriez vérifier? C'est un nain, lui aussi. Il porte un bel anneau vert, et il me doit un service. Vous irez le voir? Si c'est sur notre route. Ah, d'accord, je vois. T'es pas du genre à rendre des services gratuitement, hein? Très bien! Si tu trouves Andvari, je lui demanderai de te bricoler un bibelot spécial. Cette pierre de passage te donnera accès aux mines. D'accord, on maintient. Allez, on affiche tout sur la boussole. Ah, d'accord, je peux en afficher qu'un. J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te réserve. Si t'es malin, tu le trouveras. Ok. On commence à avoir pas mal de quêtes secondaires avec tout cela. Donc, actif, terminé, très bien. Et quête secondaire, donc ça, c'est les services des nains. Le royaume de feu complété,
Le code, ok. Ah oui, on voit l'XP carrément qu'on gagne. Pomme rare et là, talisman rare. Donc, ça, c'est dans Fafnir. Et ça, c'est dans Volund. Très bien. Donc, quand on ira à Fafnir ou à Volund, il faudra que j'active ces tâches-là. Et surtout que je ne les oublie pas. Je compte sur vous en commentaire pour me le rappeler, bien évidemment. Ok, on est parti. On est pas mal, là, les gars. On a pas mal de petits trucs très sympas. On a aussi des choses à améliorer à gauche, à droite. C'est plutôt cool. On va pouvoir continuer. On va franchir cette porte. Voir s'il y a une petite cinématique. Et sinon, on va tout simplement s'arrêter là. Je me souviens du chemin qui mène au souffle noir. Bien sûr. On doit traverser le pont qui donne sur la tour de Vanaheim. Est-ce qu'on retourne voir le souffle noir? Ou est-ce qu'on va explorer? C'est comme tu veux. Regarde, on est déjà passé près de cette statue de Thor, après la grotte de la sorcière. Et c'est dans quelle direction? C'est le milieu de la matinée. Le soleil est là, alors... Le sud. Le sud-ouest. Bien. Ah, je lui apprends en même temps. Oh là, on a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Ok, regardez-moi ça. Ça, c'est cadeau, c'est Bibi. Hein. C'est Bibi qui régale. C'est parti! Mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal! Hop, on l'éclate. Et l'autre, on le dégage. Très bien, bon. Alors, je vais vous demander quelque chose de très important dans cet épisode et je réponds très très vite. Vous avez 24 heures seulement. Soit je continue, on va à la montagne, on continue la quête principale. Soit vous voulez que je fasse un tour du lac. Apparemment, il y a pas mal de choses à faire dans ce lac. C'est vous qui décidez. Répondez tout de suite en commentaire parce que j'ai des bateaux un petit peu partout. Donc, c'est... Maintenant, regardez, il y a un bateau en bas si je le souhaite. Et il y a la porte ici de notre quête principale. Vous décidez en commentaire. Répondez-moi très vite. À demain pour la suite de nos aventures sur God of War. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.